exactement 6h45 et quelques secondes. Voilà, on est en route pour Bordeaux. Direction l'AIA dans 20 minutes. Donc on a vu les moteurs. Les montées en pression, tu vois, l'intérieur. Vous voyez, plus de pillage, tout ça. On est passé sur les réparations rapides. On a vu les moteurs entiers. Donc il y avait 88 entiers, les M88 entiers. On a vu les équipes. Dans le bus, on va à Sabena. Donc on a pour une heure de bus. Voilà. Super bien accueilli. On a pu visiter aussi l'atelier où ils faisaient les meubles du coup, qu'ils allaient mettre dans les avions. Tout ce qui était pour les câbles électroniques, où ils tiraient les gaines, etc. Pendant toute la combinaison, ils sont quand même pas mal vendus du rêve. Chaleureusement accueilli par le lieutenant-colonel May, qui nous a fait une petite présentation un peu de la base et ensuite on a eu la chance de pouvoir visiter des avions. Le premier c'était le DB-700, donc des avions VIP pour le transport des états-majors, donc voir les mécaniciens, les maintenanciers. Et après on a vu la permanence opérationnelle d'hélicoptère, donc qui s'appelle PP, donc c'est un hélicoptère Fennec. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On a des radios ici avec des standards de fréquence. Hein. Mais auparavant, quand je suis rentré dans l'armée de l'air, on n'avait que des postes à quartz, avec 12 fréquences, juste. C'est pas un siège éjectable. Hein. Okay. La manette rouge. Vas-y, on va essayer de retrouver tous les instruments. Vous en avez fait, vous, du coup? Ouais, quand on est moniteur face à rien, on voit pas les gens. On voit pas les gens. On avait pas. En 1903, c'est un bâtiment typique haussmannien avec une très belle architecture qu'on retrouve dans tout le centre-ville de Bordeaux. Alors Bordeaux est une ville très élégante.